Parce qu'en fait, on était tout simplement allé à la poste pour aller chercher un colis qui est arrivé pendant qu'on n'était pas là. Et quand on s'est aperçu que le colis venait de MSI, on s'est tout de suite dit que c'était, à mon avis, pour Josh. Ça devait être pour le gamin de la famille. Et que vu qu'il n'est pas au courant et que même moi, je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, il fallait absolument qu'on rentre et qu'on lui annonce en regardant sa réaction, quoi. Parce que j'imagine qu'il va être super méga surpris et trop content. Et puis du coup, j'ai hâte de voir ce qu'il y a dans ce colis aussi. Ouais. Je sais pas toi, en plus il est gros. Donc direction la maison et je vais tâcher de filmer l'arrivée du colis. Voilà, du colis inattendu. Bon alors faites pas attention, il y a un petit peu de chantier dans la maison, mais comme on est rentré de vacances il y a peu, on n'a pas encore tout rangé. La bonne nouvelle c'est que Josh est en haut, donc on a pu rentrer avec le colis. Et maintenant, Loulou, tu peux descendre s'il te plaît? Viens voir, je crois qu'il y a quelque chose qui est arrivé, mais je suis pas sûre que ce soit pour moi en fait. Oh là 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 là. Non, arrête. Vas-y, ouvre. Bah si, on sait pas ce qu'il y a dedans. Attends, tu veux pas l'aider parce qu'il va jamais y arriver comme ça. Allez, vas-y. Alors attends, il y a marqué là, il y a marqué Jen. Et là, il y a marqué Josh. Vas-y. Waouh, génial. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une peluche. Oh, trop mignon. C'est la peluche MSI. Tapis de souris, là. Ouais, il est beau, hein. Canon. Est bah, j'imagine que ça, c'est un notebook. Ouais. Oh, regarde. Le petit porte-clés trop chou. Ça a l'air sympa la matière. Ah ouais, t'as vu, c'est tout fin. Oui, il est bien. Alors, sympa la petite surprise, hein? Bah ouais. Quand on a vu le colis, on s'est dit, ah non, ça, c'est pas pour nous. La puce, elle est où? Elle est en haut aussi? Ah, je pensais pas qu'il y aurait un petit truc pour elle dedans aussi, c'est trop cool. Bon, ben, il n'y a plus qu'à l'installer, hein? Ouais. Ouais, je referme pour que la puce, elle voit pas ce qu'il y a dans celui de Josh. Regarde. T'as vu ça? Ils ont pensé à toi aussi, c'est trop gentil. C'est trop cool. T'as vu? Elle est canon la casquette, hein? Ouais. Ah ouais. Elle est vraiment super chouette, hein? Ça c'est quoi? C'est un tapis? C'est un tapis de souris, ouais. Cool. Ouais, ouais, c'est une petite box un cadeau qu'ils ont envoyé. Et un carnet. C'est trop bien. Elle est rigolote. I game, therefore I am. Mm-hmm. MSI. Je joue donc je suis. Sympa, hein? Oui, ah bah franchement, merci, parce qu'on pensait que c'était que pour Loulou et en fait il y avait la petite attention pour la puce aussi, donc c'est super méga cool de la part de la marque, hein. Moi je sais pas ce que vous en pensez, mais pour commencer la journée c'est quand même une super surprise. Oui. Par contre on sait pas du tout ce qu'on va faire aujourd'hui. Non. Donc on va voir, mais comme je vous l'ai dit, il y a encore un petit peu de rangement à faire. Je pense que vous aurez remarqué. Et mais coucou toi, t'es encore là? Oui. Alors pour la petite anecdote, Deb et Steph sont partis ce matin parce qu'ils remontaient en voiture et les enfants et la maman de Sam sont encore ici parce qu'eux repartent en train. C'est ça. Ce sera un petit peu moins long pour les enfants. Exactement. Donc plus sympa. Donc je ne sais pas du tout ce qu'on va tous faire aujourd'hui. On va voir. On va peut-être rester tout simplement tranquille ici. Je ne sais pas ce que vous en pensez, hein. Déjà, je crois qu'il est bientôt l'heure de manger, ou alors je n'ai pas assez petit déjeuner ce matin parce que j'ai un petit creux là. Je crois que je vais aller me faire un petit café. Qu'est-ce que vous faites de beau? On fait du slime. Vous faites du slime? Oui. Avec la fabrique à slime? Mm-hmm. C'est cool. Mm. Bah, dis-moi, il est fluo celui-là. Hein? Oui. Il est joli. Ouais. En plus, j'ai mis plein de paillettes. Et toi, Léna? Bah, moi, je vais faire là, le jaune fluo. Tu vas faire le jaune fluo? Mm. Avec des paillettes. Avec des paillettes. Elle est chouette cette fabrique, c'est simple à faire. Mm.
Sans aucun produit supplémentaire et tout, c'est génial. Juste bon. Avec un peu d'eau. Je viendrai vous voir plus tard pour voir le résultat du slime de Léna. Ça y est, t'as fait ton slime jaune fluo. Il colle pour le moment? Oui, un peu. Mais ouais. Moi, la première fois que j'en ai fait, il collait aussi, mais en fait, il faut attendre un peu plus longtemps. Des gros mots aussi. Il est joli en tout cas. Très. Mais du coup, vous avez continué? Oui. Oui. Un slime bleu avec plein de paillettes. Et je crois que Léna est en train de faire un slime vert fluo avec plein de paillettes aussi. C'est vraiment chouette en tout cas, cette fabrique. Puis c'est bien parce que il n'y a même pas de paillettes partout, quoi. Hein? Pas du tout. Pas du tout. Il n'y a pas de paillettes en fait. Je regarde comment Léna elle fait. Ah, on mouline, on mouline. On mélange. Oh, c'est chouette, hein. Ça coince. Oui. C'est en train de prendre forme. Ils sont toujours d'une jolie couleur, hein. Ah, c'est joli. Et là, j'ai mis un carlin. T'as mis un carlin ? Un carlin qui est très, très, très spécial. Très, très, très spécial. Carlin licorne. Un carlin licorne. Un carlicorne. Un carlicorne, exactement. Ou un puggycorne. Aussi. Ça fonctionne aussi. J'aime bien. T'aimes bien ça ? J'aime bien ton idée. Bon, alors. Là, on est en train de... Oh, mais je vois qu'il y a des paillettes, il y a aussi des petites étoiles. C'est super joli cette couleur. Mais toutes les couleurs sont vraiment jolies, elles sont toujours fluo, pailletées. Ouais. Après, il y en a plein d'autres des couleurs, on les avait encore toutes utilisées. Il y a du violet, il y a du rose. Alors, au début, on dirait que c'est les mêmes roses, mais je pense que c'est pas les mêmes. Non, c'est pas les mêmes à l'arrivée. Il y a du bleu, du violet, il y a du vert, du jaune. C'est super chouette. Bon, vous montrerez le résultat après. Ok. Ça y est, le slime vert de Léna est fini. Ah, il est super joli. J'adore la couleur. J'espère que vous apprécierez aussi. Un vert fluo. Un jaune fluo qu'on voit moins parce qu'il est dans un récipient rose. Mais super sympa. Et Jen, elle a fait un bleu pailleté et un rose. Avec un peu de paillettes. Ouais. Bah, en tout cas, les filles sont super jolies, vos slimes. Merci. Vraiment. Merci. Très, très jolies. Vous êtes bien amusées ? Ah oui. Bon, tant mieux. Je vous retrouve derrière l'ordi pendant que Sam est allé avec Jen raccompagner sa maman, Léna et Julianne à la gare. Voilà, parce que ça y est, c'était l'heure du départ. Donc j'en profite pour faire 2-3 trucs sur mon ordi en attendant. Et voilà, comme on vous l'a dit pour la Corse, bah pour la famille c'est pareil. Hein, toutes les bonnes choses ayant une fin, il fallait bien qu'ils partent de chez nous. Mais ils vont nous manquer et on attend avec impatience de pouvoir les revoir, que ce soit ici, que ce soit à Paris, peu importe. Dès qu'on aura l'occasion, bah on en profitera à fond comme d'habitude. Et donc je vous laisse, j'ai 2-3 trucs à faire et je reviens un petit peu plus tard. Bon, j'étais en plein montage vidéo et la puce est venue me dire qu'il fallait que je vienne voir. Ah oui, oulala, il y a du changement là. Ça promet d'être beaucoup plus amusant d'aller patauger. Attention, ça glisse la puce. Et qu'est-ce que vous faites? On joue à un jeu qui s'appelle tête d'œuf. Ok. En fait, il y a des œufs. Soit tu es rempli d'eau, de coca, de ce que tu veux. Du liquide. Voilà. Ok. Et tu te les casses. D'accord. Tu passes ton tour. Ah, il y a une petite roue, c'est ça ? Qui est très bien faite parce qu'elle est en plastique. Du coup, ouais, comme c'est un jeu avec des liquides, ils ont fait un truc qui peut aller dans l'eau sans s'abîmer. Ouais. Donc on peut jouer à l'extérieur, enfin normal, sur une terrasse par exemple, là où l'eau ça craint pas. Et également dans l'eau. Ah, mais c'est super marrant ça. Ouais. Donc en fait, donne voir la petite planche, parce que moi je suis pas en maillot de bain, donc je vais pas dans la piscine tout de suite. Il y a quoi dessus? Attends, il y a des reflets. Un œuf. Ok, deux œufs sur un autre joueur, passe ton tour. Et donc on prend au pif et tous les œufs sont pas remplis. C'est ça. Voilà. C'est ça.
Ah, oh, ça a l'air trop rigolo. Mmh. Vous nous faites une petite démo? 1-9. Donc tu prends au pif. 6-8. En fait, ce qui est surtout rigolo, c'est quand tu tombes sur un autre joueur et que l'œuf, il est plein, quoi. 2. Ah, ça va. Mais je pense que tu sais ceux qui sont dans le pif. Tiens, je te fais plaisir. Tu crois? Yes. Mais oui, il le sait, c'est pour ça. En les attrapant, oui, forcément. En les attrapant, par contre, tu dois le sentir, non, qu'il n'y a rien dedans. Après, c'est, mais c'est trop tard. On place les liquides et les vides. D'accord. Ouais. Et puis une fois que tu l'as attrapé, c'est trop tard, tu peux pas le reposer. Non. Les deux en même temps. Ah mais oui, c'est rigolo en fait, comment elle fait de les prendre tous les deux. Comme si elle faisait de la cuisine. Deux œufs. Ah mais c'est drôle quand on tombe sur un autre joueur. Fais-le-moi. Il appuie sur moi. Mais là. Tant que c'est que de l'eau. Sur un autre joueur. Ah, ça voilà, ça c'est ce qui amuse le plus. Hein. Il est super rigolo ce jeu. C'est qui fait ça? Elle est où la boîte? Elle est sur la terrasse. Voilà donc à quoi ressemble la boîte. Et c'est Hasbro qui fait ça et qui nous l'avait envoyé. D'ailleurs, il y a un petit moment, on ne l'avait pas encore testé. Et bien, c'est un jeu super rigolo pour l'été. Ça va? Vous vous amusez bien? Oui. C'est cool. Ça nous manquait les parties de raquettes. Ouais, bah oui, c'est sûr. Il reste quand même des choses de la Corse. Eh oui, il y a marqué Corsica, ouais. C'est ça. Donc on s'est dit qu'on allait s'amuser un peu avec Jen dans la piscine. Donc il y a les parents. C'est cool, on joue dans l'eau. Ouais, c'est cool. C'est la plage. Ça nous rappelle la plage, ouais. Oui. Bravo. Bon, je vous laisse vous amuser dans la piscine. Moi, je vais retourner dans ma chambre. Ouais, tu vas à Fortnite. Ouais, un petit peu. Ça marche. C'est cool. Amusez-vous bien. À plus tard. Salut. Je vous retrouve un petit peu plus tard. La puce s'est super bien amusée avec Sam pendant le début du remplissage de la piscine. Je dis le début parce que celle-ci, elle met super longtemps à se remplir. Demain, à mon avis, elle ne sera pas encore remplie. Je pense qu'il va falloir au moins 2 jours. Je pense que demain, peut-être en fin d'après-midi, elle sera remplie. En fin d'après-midi, tu crois? On verra, on vous dira ça. Je ne me souviens plus du tout. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'ai terminé le montage de la vidéo qui nous tenait vraiment à cœur avec Sam, dont on vous a parlé parce qu'on avait besoin de faire quelques plans un petit peu spéciaux. Oui. Et t'es content du résultat? Carrément. Je trouve ça trop mignon en fait. Je la trouve mignonne cette vidéo. Voilà, elle est censée être rigolote. Je la trouve super cool. Mais je la trouve aussi super mignonne. Je suis désolée, mais je viens de manger un M&M. J'ai l'impression d'avoir un truc entre les dents. Donc, du coup, bah, j'ai passé l'après-midi à faire ça, pendant que Sam et la puce s'occupaient de la piscine et puis jouaient aussi. Et Loulou, je ne l'ai pas vu, mais forcément, on a été absent un petit moment. Donc là, il rattrape un peu son retard en matière de partie de jeux vidéo. Donc voilà, du coup, on va arrêter le vlog du jour. On espère qu'il vous aura plu. Et en attendant le prochain, on vous envoie plein de gros bisous. Et on vous dit à très très bientôt. Ciao. Salut.